Être au calme pour penser, avoir du temps pour rêver, de la fenêtre voir le Corcovado et le Christ rédempteur, c'est si beau. Passer ma vie comme ça, avec toi, auprès de moi, jusqu'à ce que notre flamme se consume. J'aurais été très triste de ne pas croire en ce monde, en te rencontrant, j'ai découvert ce qu'est le vrai bonheur, mon amour. Thank you.
voilà. On a essayé de voyager dans le temps, dans l'espace. C'est super difficile comme exercice d'arriver à d'abord à lire chacun des choses différentes. Mais moi, j'ai trouvé ça super intéressant comme expérience. Et bon, donc, les ouvrages, celui-ci, c'est Rouge Brésil, Jean-Christophe Ruffin, un roman sur la conquête, parce qu'on avait quand même un fil conducteur. C'était On arrivait de la mer. Donc, l'accompagnement tout au long de la soirée, c'était Blaise Andrard qui a quand même... Brésil, vous connaissez, des hommes sont venus. Voilà. Qui ponctue. Le bain dans l'Amazonie avec Nicolas. Carnet d'Amazonie de Claudie Baron. Quelque chose. Hein. C'était une femme qui racontait l'histoire. En fait, elle est partie avec un groupe d'hommes dans la forêt. Quoi. De poésie, issue de poésie et chanson brésilienne. Ma mère, c'était de Robert Carlos et d'Erasmo Carlos. Et le Corcovado, c'est de... d'Antonio Carlos Jobim. Moi, c'était Les Contes du Brésil de Beatrice Tanaka, le chant de Luirapu. Dans le texte. En brésilien, dans le texte. Et moi, je l'ai déjà présenté, donc c'est Enfer de Patricia Amelo. Voilà, Penharillo, qui est scénariste, romancière, etc. Elle écrit des trucs pour la télé aussi. Voilà. Et de Paulo Coelho, sur le bord de la rivière Piedra, je me suis assise et j'ai pleuré. Vous avez tiré le compte que vous avez vu, fiancé. Il s'appelle Thierry. La régionale de l'étape, on dit en général. Non, c'est... Merci. Quand on a choisi les textes, on a limité pour que ça, la durée de la soirée ne soit pas trop importante. On a éliminé beaucoup de sujets qui nous auraient tenu à cœur. En particulier, il y avait un texte d'un. Les hommes sont venus, il y a un texte sur la ville, je perds son nom. Manaus, la ville du caoutchouc. Il y avait aussi un texte sur l'importance du café dans l'économie et la vie brésilienne et l'organisation. Qu'est-ce qu'on a encore éliminé? On en a tellement éliminé, Michel, t'en as éliminé beaucoup aussi. Dans ton mouvement.